Bon, je fais un petit peu de level up. En mode posé, bien entendu, donc j'ai monté niveau 24. J'ai changé le pot de toxique pour dodo. C'est pas vraiment grand chose, mais bon, c'est déjà juste ça. On continue notre chemin. Et j'ai bien de trouver une pierre herbe pour faire pierre plante ou peu importe, pierre plante, ça se dit un peu mal, pour faire évoluer Pénélope. Je vais te dire pourquoi mes Pokémon sont super, bah toi et tu sauras. Ok. J'espère qu'il va me le dire à la fin, hein, parce que c'est un vrai bâtard. Gamechok, Chibidou. C'est un combat de plantes, quoi. Des œufs, une série. Oh là là. Choc mental et go, c'est parti. Merde. Je pensais pas faire assez de dégâts pour tuer en deux coups, mais bon, faut que j'en fasse un plus. C'est chiant ça. Oh, c'est pas si grave. Ah, ok, non. Je pensais. Polichambre. Ah, ce choc mental, je vais pouvoir le tuer one shot, ça va faire du bien. Ça me rappelle des bons vieux souvenirs avec ce Pokémon. Malédiction. Ok, il va se tuer. Hey, c'est cool! Mais bon, je vais perdre des HP à chaque tour. Et un magnétique, bon, magnétique, je vais changer. Pas trop le choix. De toute façon, avec Malédiction, j'ai pas envie de m'y frotter. Je vais envoyer à Lucida. Je devrais pas mal gérer, je pense, ce combat avec Lucida contre Magnétique. J'ai bien hâte d'avoir un autre type que Herbe et Euro, parce qu'en ce moment, il y a certains types que j'ai un petit peu plus de difficulté. Donc, le type électrique, par exemple. Le type. Quel autre type aussi, j'ai un peu de difficulté, mais bon, je veux bien de pouvoir diversifier un petit peu mon équipe. Bon, on a deux nouveaux Pokémon. Sonic Boom! Toujours 20 dégâts, c'est sûr là. Ben bon, je suis rendu, c'est un peu moins, mais en début de game, c'est tout le temps celui-là, un Pokémon qui avait Sonic Boom. Parce que par exemple, t'as 42 vies, mais tu fais deux coups de Sonic Boom, voilà, c'est une trajectoire comme ça. Je suis saoulé ce combat. Là, je le tue. Parfait. Et bah alors, j'espère que tu as compris pourquoi ils sont super mes Pokémon. Bah oui, mais t'as perdu. Les gens sont bizarres dans ce monde. J'ai vraiment pas de pierre. Attendez, il y a une pierre soleil que je peux donner à Lucida. Ouais, est-ce que je le fais? Je le garde pour un vrai coup. Non, allez, go. Parti, pierre soleil, go. Lucida. Je sais pas, j'ai envie. Je suis un mec comme ça, moi. Je me suis dit, j'ai envie. J'ai envie de faire des trucs comme ça. C'est des trucs qui me passent par la tête. J'avais même pas remarqué. De toute façon, qu'avec la pierre soleil, j'aurais pu faire quelque chose. Mais bon. Je peux pas toujours y penser à ce genre de truc. De toute façon, elle est beaucoup plus stylée comme ça. J'ai les flammes. Cool. Ok, j'aurais dû regarder ses stats juste avant. Je vais aller voir directement maintenant. Elle a gagné un petit peu plus de PV, je crois. Donc là, elle est simplement rendue herbe et non herbe poison. Ça me dérange pas trop parce que ça me fait une résistance, une faiblesse de moins. Surtout côté psychique et côté. Ça suffit. Ça me dérange pas trop. Défense spéciale, c'est qu'est-ce qui me bouge le plus, c'est l'attaque, c'est qu'est-ce qui descend, donc on parle. C'est pas trop mal, sérieusement, je veux pas cracher dessus. Ouais. Donc juste enlever sa paralysie. Ça va être fait. Donc j'y pense. Antipara. Voilà. On va continuer notre petit chemin pour se rendre à... Merde, je suis bloqué. Salaud. Est-ce qu'ici je peux prendre mon... What? Comment je fais pour prendre le truc ici? Ah, what? What? Nous avons une force supérieure car nous n'avons pas à l'encontre de la nature, c'est ça un ranger. Un ranger's Pokémon, c'est le plus fort. Je pense que c'est qu'est-ce qu'il voulait dire. Hariyama. Bon, mais Hariyama, choc mental dans ta gueule, ça paraît assez mal. Mais bon, j'ai tout le temps peur un peu de la défense de Pénélope. Je suis toujours peur qu'elle ait un truc genre plein de gueule qui sort de nulle part. Bluff. Non, ok, bluff. Ok, ça me fait vraiment beaucoup de dégâts, je suis dans le genre, j'ai envoyé Victoire. Victoire a beaucoup de défense. Et lui, c'est un type combat, donc... pas trop à craindre. Ah, désolé. Stimulant. Là,
dégâts d'une simule. Pic canon, ça peut pas être grand chose. 2, 3, 4, 5, ouais, 2 fois ça va le tuer. Ok, mais c'est bon, tu me stimules. Ça fait quoi de bon dans la vie à part me stimuler? J'accélère un peu. Je crois qu'il a vraiment pris les 5 coups en plus. Pénélope va monter niveau, niveau 25. Synthèse. Ah, ça, c'est pas trop mal, synthèse. Ça, c'est sympa. J'ai enlevé Balgren parce que. Bof. Ça rend pas si fort que ça. Oui, j'avoue que c'est peut-être une de mes seules attaques herbes que j'aurais, mais bon. Pire, j'ai Lucida qui se comporte assez bien de ce côté. Donc, je vais vraiment pas. J'ai enlevé tout de suite direct. De toute façon, je pense que Pénélope, en ce moment, je vais la garder pour faire, par exemple, Vampigraine pour Dodo et faire synthèse pour prendre Maï. Vraiment faire le truc. Bâtard, tout simplement échec mental au cas, parce que échec mental du psychique, mais cette attaque psychique, tu peux tout le temps utiliser ça dans environ n'importe quelle situation, il n'y a pas de problème. Ça fait toujours beaucoup de dégâts, donc pas trop de problème là-dessus. Beaucoup de points d'expérience et un 9. Est-ce que je suis un 9 versus 9? Non, je suis pas fou. J'ai pas envie de perdre un Pokémon comme un con, donc je vais y aller un peu plus calmement. Donc Victor va être niveau 27. Bon, trop vite, Victor. Victor, elle s'est dit, moi, je suis parti à l'horizon et je n'arrête plus jamais. Ok. Tiens, voilà quelque chose dans l'ensemble à donner. Donc, ça a été une baie, sûrement une baie marron. Voilà. Ça veut juste donner des baies marron. C'est drôle, sans rigolo, hein. Elle trouve là, à Bois-Main. Oui, là, à Bois-Main. De toute façon, j'ai même pas regardé les deux CT que j'ai reçus. Et Vengeance, oui, Vengeance, elle me l'avait expliqué. Ce Pokémon de l'équipe a été mis KO autour d'avant avec KO. Aboama. Lançant hurle sur l'ennemi, baisse l'attaque spéciale de l'ennemi. Ça fait en plus des dégâts. What? Ok. Je pense que je peux la prendre avec mes Pokémon. Mais bon, okay, bon. C'est pas grave. Et j'avais un autre aussi, un autre truc que j'ai reçu il y a pas très longtemps. Check venu, voilà. Lançant avec lui la poisson spéciale ennemi, l'effet est doublé si l'ennemi est déjà empoisonné. Moi. Tête d'Amistoro, et qu'est-ce que je pourrais enlever? Juste regarder. Chaque bonnet fait 20-65, essaye de faire un peu moins. Je pense que je vais enlever Acide et je vais mettre Chaque bonnet. Comme ça, avec Pic Toxique, ça pourrait être assez chiant. Le bout là-dessus, ça serait pas trop mal. Ou enlever Ultrason. Non, je vais enlever Acide. Même si Acide, il y en a 30 et Chuck Berry, il y en a simplement 10. J'ai Bulldo au moins, okay, je pense qu'il y a 30. C'est pas trop mal, je me garde quand même une sécurité. C'est pas très la méga sécurité, mais bon, c'est une sécurité comme les autres. Hein. La sécurité avant tout. Comme dirait Mamadou. Ouh là là, c'est un Tentacool! Il est cool le Tentacool. Je suis trop drôle dans mes blagues. Ok, peut-être pas au point. Peut-être trop drôle, mais. Merde, je prends la fuite. Je prends la fuite, j'ai dit. Merci. Juste aller faire soigner mes Pokémon. Alors, coupez-vous. J'ai juste y pensé. Pourtant que je suis en train de revenir, j'ai pas regardé si elle avait changé de capacité spéciale. Capacité spéciale. Ouh, t'as qu'un chuté. Tempo perso empêche la confusion. Bon. J'ai plus fuite, donc oh, ça me dérange pas vraiment, vraiment. C'est pas quelque chose que je vais pleurer toute ma vie en fait. Non, pas vraiment. Donc là, il faut faire le tour ici, encore des Pokémon à combattre. Il y a sûrement un QNE qui est caché.
Colombo, je m'en fous, tu me joues. Là, j'ai juste envie de changer de Pokémon parce que je suis pas fait que tu vas pas prendre l'absolu, je vais prendre Mistero, je vais maintenant prendre Mistero, il va faire quelques dégâts, ça va faire blablabla. Météor, voilà. Oh. Ok. Ok, il va voir. Vous pouvez me laisser tranquille? Je peux avancer dans le jeu s'il vous plaît? Genre juste me laisser tranquille un peu. Merci. Ok, je te sens qu'il y avait un tenu ici. Ok, non. Ah là, il y en a un. Ça a bougé. J'ai vu que ça avait bougé. Eh bien non. J'ai vu que ça avait bougé. C'est bizarre, moi. Je vois des trucs qui bougent, mais qui bougent pas. Haha, c'est lui, c'est le dernier. Tu as pu venir jusqu'ici, bon, je vais gagner 10 ans pour que les autres puissent s'enfuir. Ah ok, donc c'était... Ah non, c'est vrai, il y a un chemin en haut, j'ai pas du tout envie, il y a l'arbre qui cachait. Ça fait tellement mon genre de retourner de côté, enfin... J'ai perdu, j'ai perdu. Quoi qu'il perde. Ok, il faut gagner un Pokémon de type haut. Vu que j'ai plus d'attaque de type haut. Avec quelle heure? Ah, de type perdre. Well, c'est des choses qui arrivent. Ok, on va en figurine qui fonctionne pour une fois, qui fait ok. Ça fait quand même assez mal, mais pas à en pleurer. Pas... Je suis trop malade, non, pas assez pas. Choc mental. Wop, wop, wop. Pistolet à eau. Ça m'a toujours bien fait rire la traduction française de pistolet à eau, vu que c'est pistolet à eau avec écrit E-A-U, c'était trop gros, mais on est pistolet à eau avec un O. Quand même. Juste parce que le ça rentrait pas. J'ai gardé ça comme ça jusqu'à là. Mistibule. Pokémon je l'aime pas. Ouais. Quoi faire. Oh, Pokémon Go. Réussi. En espérant qu'elle me passe pas un truc ainsi. Point de glace. Ah ok. Toi t'as point de glace. L'impression que ma vie s'est défilée devant moi, j'ai vu la barre descendre jusqu'à un point clair, mais quoi? Non mais là tu me saoules. Mais quoi? Comment qu'elle a su que j'aurais changé? Elle a lu dans ma tête, elle s'est dit il est en une autre challenge, il va changer de Pokémon. Pas encore point clair, s'il te plaît. Est-ce que je vais essayer de faire la drill ou juste de faire des dégâts? Non, je vais faire des dégâts. Tiens, go. C'est le tuer. Je sais que c'est acier, c'est dur. Non, on va pas te tuer. Non, pas pour mon éclat. Oh, merci, point de glace. Ah, sauve la vie, quoi. Ça fait drôle quand même, comme gel. Bah, en même temps, bon, je l'aurais pas trouvé drôle, hein, ça m'aurait joué. Et voilà. Bon, il va rester tout simplement un Pokémon. Un Lombre. Lombre, le décolo. El Lombre, le décolo. Una, dos, tres. Uno, dos, tres. Una, dos, tres. Cuatro, cinco. Oh là là, je suis très bien parlé espagnol. Ok, peut-être. Les règles sont pas tous les mêmes, pour nous et pour toi. Ok, non, c'est vrai, les règles sont pas pareilles. On fait un combat, mais on n'a pas les mêmes règles. Pour toi. Oui, je n'étais là que pour te ralentir, à moins que Mira et que tu n'arriveras pas à rattraper le reste de l'équipe. Ouais. Mais bon, je crois finir ici, je crois vous laisser avec. Parce que non. J'ai pas envie de continuer avec Penelope qui reste à un point de vie, j'ai juste pas envie. J'ai juste pas envie de me dire non, je ne continue pas. Donc je vais finir ici, oui j'avoue que j'aurais peut-être pu continuer, je sais pas qu'est-ce qui arrive, peut-être qu'on a bientôt fini cette mini-partie. Mais bon, je vais finir ici et on se retrouvera dans l'action, purement dans l'action, au prochain épisode, donc j'espère que vous aimez cette série. Elle risque d'être assez longue parce que je pense que j'étais rendu environ 24 épisodes. J'espère que ça vous dérange pas trop et on se revoit pour de prochains épisodes. Salut tout le monde!